Oula, 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 la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va travailler un exercice en boxe anglaise sur 4 coups. Vous allez voir qu'il est super efficace. On va faire d'abord un exercice sur 3 coups et ensuite un exercice sur 4 coups. Le quatrième est fatal. Bon, regardez. Donc pensez quand même à bien vous échauffer, d'accord? La tête, au moins la nuque. Ici, les poignets, vous sautillez, vous êtes un peu chaud et vous travaillez. Donc l'exercice en l'occurrence, c'est déjà travailler votre distance face au sac ou face à quelqu'un. Mais là, c'est face à un sac. Je vais parler face à un sac. Donc là ici, c'est ma bonne distance. On est d'accord? Je ne suis pas trop près parce que trop près, je ne peux pas bien déployer mes bras et je ne peux pas faire mal. Et si je suis trop loin, je vais me faire mal et en plus, je ne touche pas. Du moins, je touche, mais c'est que des, on va dire, des caresses. Donc là, on va envoyer à la bonne distance. Là, je suis bien. Je suis en trois quarts. Je serre mes coudes, comme je le dis à chaque vidéo. Pensez à serrer vos coudes. Baissez le menton et levez les yeux. Voilà. Là, ici, je suis bien. Ici, hop, voilà. Là, je sais que là, je boxe, je peux faire. Là, ça peut faire mal. OK? Donc, les trois coups que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça va être là, parce que là je suis un droitier. Donc automatiquement, ça va être mon bras gauche. Ok? Donc, bras avant. Hein? Bras avant. Le bras arrière en uppercut. Hop, ok. On se protège avec l'épaule, donc le menton. Et ensuite, automatiquement, je vais mettre en crochet. Crochet, bras avant. Hop. Ok? C'est sur trois coups. C'est un triangle. Un. 2, 3. Pensez à bien bouger aussi le bassin et la pointe des pieds. Pas besoin de sautiller. On n'est pas à l'escrime. On est d'accord? Donc là, je suis calé, tranquille. On y va. 1, 2, 3. Hop, et je bouge. Et ainsi de suite. Hop, attendez. Hop, là, les aléas du direct. C'est parti. On recommence. Gauche, crochet. Hop, et je bouge. Ainsi de suite. Voilà. On peut le faire un peu plus rapide si vous voulez. D'accord? Voilà. Rapide. Soit on le fait en deux temps, soit on le fait simplement et rapidement. Donc en deux temps, c'est là je touche avec mon bras avant, je fais mal. D'accord? Après, petit crochet. On est bien d'accord? Là en fait, le quatrième coup, comme je disais tout à l'heure, qui est super efficace, c'est celui-ci. Donc ça fait gauche. Là, je descends un petit peu sur mes cuisses. Là, j'arme bien comme il faut mon uppercut. Là, je fais mal au menton, d'accord? Donc, hop, j'arme automatiquement mon crochet gauche. Et en fait, regardez ma droite. Ma droite, elle est déjà armée. J'ai juste envoyé le plus sec et le plus rapidement possible. On va le travailler, tranquille. En fait, c'est en arme. Et on bouge. Hop, voilà. Plus rapide. Hop, plus rapide. Allez. Voilà. Et même pour les intermédiaires et les confirmés, on peut rajouter encore une droite. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4 et bam. Et on renvoie encore une. Là, sec. 1, 2, 3, 4, je bouge. Hop. Et j'envoie. Encore. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, il faut bien serrer. Baisser ce menton. Gauche. Donc, bras avant, le bras arrière, là, je descends un petit peu, uppercut, d'accord? Ici, il est déjà armé. Je mets mon crochet et ensuite, je descends, je mets ma droite. On est d'accord? 1, hop, hop, pam, hop, et je bouge. Pensez que lorsque vous avez fait votre série, bougez parce qu'en face, là, c'est un sac. En face, face à quelqu'un, il va vous mettre un crochet, un uppercut, il va vous mettre ce qu'il pourra. Donc, automatiquement, il risque de vous toucher. Bougez, pam pam, vous mettez des coups, vous bougez, mettez des coups, vous bougez. Efficace, ok? Là, on est tranquille, travaillez-le. Pas besoin d'aller trop vite au début, là, je l'ai fait. Parce que j'ai plus l'expérience, mais sinon, voilà. Décortiquez, travaillez, regardez ce qui est bien pour vous, là où vous vous sentez le mieux. Voilà, c'est ça. Bon, en fait, je vous dis de faire cet exercice, après c'est à vous, suivant votre gabarit, suivant votre niveau. Donc, il faut le travailler, ok? Voilà, et on travaille. Hop. Et on bouge, voilà.
et ainsi de suite. Travaillez-le. Donc, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Et vous bougez. Et même, vous pouvez rajouter les cinquièmes en bras arrière. Big up. Merci pour le soutien. Entraînez-vous pour avoir du résultat.